justement de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire durant les 1 mois. L'Office de radiodiffusion télévision du Mali, ORTM, a organisé un jeu pronostique pour ses auditeurs et téléspectateurs. Chaque match faisait des heureux pour la finale qui a opposé la Côte d'Ivoire au Nigeria. C'est le directeur général de l'ORTM qui a remis le cadeau du Kanyan, un présent offert par son partenaire Double Seven, Hawa Adama Koulibaly et Mohamed Sidibé. Un réfrigérateur de 172 litres, des casiers de sucrerie et un kit ORTM. Voilà le grand prix du jeu pronostique de l'ORTM pour la CAN RCI 2023. Mamadou Keïta, depuis Sikasso, en est l'heureux gagnant. Son représentant, Alfousseni, transmet son message. Moi, je suis très content. Les gagnants aussi, il est content. Je remercie tout le monde. Il aime le foot. La première fois, on joue à tout moment. Eh oui, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ne se jouait pas que dans les stades. Dans les coulisses de l'ORTM, ils étaient plusieurs joueurs à tenter leur chance au quotidien pour remporter des prix durant les 30 jours de la compétition. Une manière pour la maison mère d'agrémenter ce grand rendez-vous sportif africain auprès des amoureux du ballon rond. L'ORTM a voulu faire participer d'une façon toute la population. C'était lors de chaque match diffusé par l'ORTM. Avoir le courage de prendre son téléphone, déjà répondre aux questions. La population n'a jamais cessé de nous soutenir. Donc par divers moyens, on essaie d'être reconnaissant, de leur témoigner notre affection, surtout le soutien. Donc du coup, vu la CAN qui était là, c'était une opportunité pour nous de nous annoncer encore, de leur témoigner notre présence sur le terrain. Une première expérience couronnée de succès pour l'ORTM. La direction générale compte bien pérenniser le jeu pour les éditions à venir avec de nouveaux concepts.